pour les 12 millions. Et l'autre, ça n'a siège. Déclaration des partis politiques, regroupements politiques et groupes parlementaires de l'opposition ainsi que des organisations de la société civile et de la diaspora en rapport avec la publication par la CENI du calendrier électoral global. Nous, partis politiques, regroupements politiques et groupes parlementaires de l'opposition, ainsi que organisations de la société civile et de la diaspora, réunis ce samedi 14 février 2015 au siège de FONUS dans la commune de Kasavubu à Kinshasa pour examiner le calendrier électoral global publié par la CENI en date du 12 février 2015. Après un premier tour d'horizon, déclarons ce qui suit. 1. Le calendrier publié par la CENI est certes global, mais non consensuel, irréaliste, incohérent et viole la Constitution pour les scrutins convoqués en 2015. Non consensuel, car la CENI, quoique détentrice du pouvoir légal d'arrêter le calendrier électoral, aurait dû, pour bien faire les choses, consulter les acteurs politiques et ceux de la société civile à l'effet de rechercher un minimum de consensus. Le caractère irréaliste de ces calendriers ressort notamment du nombre élevé de contraintes externes listées par la CENI et internes liées à l'organisation des élections. L'incohérence de ces calendriers est notamment donnée par le fait que les élections locales, municipales, urbaines ainsi que provinciales doivent avoir lieu le même jour, alors que les opérations préparatoires sont décalées. De ces faits, les questions liées à l'opérationnalité et au chevauchement des opérations électorales rendraient les calendriers irréalisables. Un calendrier hypothétique par l'organisation des élections municipales, urbaines et locales, dont on ne connaît pas le nombre exact des groupements sur base desquels seront présentées les listes aux élections des conseillers des secteurs ou des chefferies. Inconstitutionnel dans la mesure où ce calendrier n'a pas prévu l'enrôlement de nouveaux majeurs pour les élections de 2015 et viole ainsi l'article 5 de la Constitution en son dernier alinéa, car excluant du processus électoral les Congolais qui ont atteint l'âge de 18 ans révolus depuis juillet 2011. C'est une situation inadmissible qui doit être corrigée par l'organisation d'une nouvelle opération d'identification et d'enrôlement de tous les électeurs. Ceci permettra de tourner définitivement le dos au fichier corrompu de 2011 et d'avoir un nouveau fichier électoral accepté par tous, avec comme conséquence la production d'une nouvelle carte d'électeur aux formes différentes de l'ancienne trafiquée. 2. L'opinion se souviendra que, dans un passé récent, la CENI avait publié un calendrier électoral partiel que l'opposition politique et les organisations de la société civile avaient rejeté. 3. Après les échecs du pouvoir de M. Kabila de réviser la Constitution ou d'en envisager le changement par référendum, de procéder à l'élection des députés provinciaux au suffrage indirect, de conditionner le processus électoral au recensement à travers l'adoption d'une nouvelle loi électorale,
en vue d'un glissement de son mandat, l'opposition politique et le peuple congolais viennent au prix du courage et du sang de remporter une nouvelle bataille, à savoir la publication par la CENI d'un calendrier électoral global fixant de manière formelle la date de la fin du mandat du président de la République sortant. Désormais, le peuple congolais doit savoir que le président Kabila quitte le pouvoir le 19 décembre 2016, date de la fin de son second et dernier mandat constitutionnel, et que l'alternance politique se concrétisera le 20 décembre 2016 à travers la passation civilisée des pouvoirs. L'opposition politique prend note que les 23 contraintes liées à l'organisation des élections, du reste irréalisables et incohérents, dont 18 relèvent de la responsabilité du gouvernement et le reste du président de la République et du Parlement. 6. Pour éviter tout glissement du mandat du président de la République sortant, l'opposition politique exige que ces trois institutions assument pleinement leurs responsabilités et elle n'acceptera aucune manœuvre dilatoire visant à aller au-delà des échéances prévues. 7. Les partis politiques, les regroupements politiques et les groupes parlementaires de l'opposition, ainsi que les organisations de la société civile et de la diaspora, appellent notre peuple à demeurer vigilant et à rester attentif au mot d'ordre qui leur sera donné le moment venu. Enfin, au vu de ce qui précède, les partis politiques, les regroupements politiques et les groupes parlementaires de l'opposition, ainsi que les organisations de la société civile et de la diaspora, se réservent les droits de faire des propositions pour rendre ces calendriers réalisables et acceptables par tous, et c'est dans l'intérêt supérieur de la nation. La lutte continue. C'est na kokuse biso bayi politique mangoma politique lisanga na ba député nyonso ya opposition pe na bandeko ya société civile o bazali awa na mboka pe na libanda ya mboka tolobi boye calendrier oyo beuti kobimisama na CENI ya solo et memi mapona minyonso kasi calendrier wana ezali na bomoko te ezali ekoki kosale mate mapona mindenge basali yango pe ezali elongo banite na suite logique oyo tobengaka ya maponami. Calendrier wana ezali kaka calendrier oyo ya bokosi bato pe ezali kobebisa e respecte te mobeko likonzi na yango. Peuple congolais basengeli koyeba ke CENI yango moko euti kotia date oyo président de la République azali sikoyo akolongwa. Biso bayi politique tokondima te ete makambo nyonso oyo batie na calendrier esalema te po epusa mandat ya président de la République oyo azali kolongwa koleka ndenge constitution esengi. Eloko mosusu tolobi calendrier oyo ezali mabe natina te etie pembeni congolais nyonso oyo bazali na droit ya kovote oyo bakokisi mbula zomi na mwambi banda juillet 2011 kino lelo. Na yango biso bayi politique na badepute ya opposition na société civile tozali komilengela kopesa ba proposition oyo CENI apesi te mpo na intérêt ya mboka. Na yango tosengi population bazala na ekenge mpo na ngonga soki babebisi makambo tokobenga bango to réclamer droit na biso bobomesano po calendrier oyo
tozui yango pona courage na biso pe makila etangaki pona kozwa calendrier global tobo sana teke seni apesa kine calendrier andambo kasi tango totiaki pression nde calendrier ya mobimba ebimi ata ko ekokisi makambote biso tozali na makoki ya ko proposer makambo pona intérêt ya nation kolongwa na ndaka na sanza ya zomi na mibale na mikolo ya sanza zomi na libwa na mobu koto mibale na zomi na motoba eli koloba le 19 décembre 2016 consulter les partis politiques et les organisations de la société civile pour nous donner un calendrier consensuel. La cellule l'a pas fait. Nous avons dit que le calendrier qui a été publié est incohérent et il est irréalisable. Mais nous avons noté que le peuple congolais a gagné une grande bataille. Parce qu'au départ, le président Kabila voulait réviser la constitution. Il n'a pas pu le faire grâce à la détermination du peuple congolais. Nous savons qu'à un moment donné, M. Labé Valobal nous a présenté un calendrier partiel qui ne reprenait que les élections locales. Nous savons aussi que le gouvernement et M. Labé Malumalu voulait que les élections des députés provinciaux soient des élections indirectes. Aujourd'hui, c'est un échec matin. Nous savons que la dernière tentative que le peuple a déjouée avec des manifestations du 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 janvier, c'était le glissement du calendrier, la loi électorale, la linéa 3 de l'article 8 du projet de loi électorale. Donc aujourd'hui, le peuple congolais a gagné. Mais nous disons « mais », sous réserve. C'est pourquoi l'opposition, dans une démarche constructive, a d'abord relevé que ce calendrier a mis beaucoup de choses pour le rendre indigeste, pour obtenir le glissement. Nous avons ouvert l'œil et le bon. Et nous disons, nous, nous allons faire des propositions pour rendre ce calendrier réaliste, réalisable et faisable. Autrement dit, est-ce que la CENI doit attendre votre calendrier et vos propositions de calendrier à vous avant de poser quelqu'un des actions ou qu'elle peut quand même poser déjà des actions en attendant vos remarques? Nous considérons que la CENI, c'est une institution technique qui est là parce qu'il y a des partis présents aux élections et qui doit faire la volonté de ceux qui vont aller aux élections. Donc nous, nous allons faire des contre-propositions. Nous n'avons pas rejeté totalement les calendriers parce que nous avons dit que ce calendrier, il est global, mais il n'est pas consensuel. Nous avons dit que ce calendrier, il respecte la Constitution en ce qui concerne l'élection du président de la République. Tout le peuple congolais note aujourd'hui, avec bonheur, que le président Kabila va partir le 20 janvier 2016. C'est le jour de passation du pouvoir. Donc il termine son mandat le 19 janvier 2016, décembre 2016. Mais est-ce que la CENI doit vous attendre ou bien doit... Non, ce n'est pas une question d'attendre qui que ce soit. Nous sommes dans une démarche où nous voulons que la nation soit la seule qui va gagner, c'est-à-dire le peuple congolais. Si la CENI veut organiser de bonnes élections, pas pour les extraterrestres, mais pour des gens qui sont là, c'est-à-dire nous les politiciens, nous de la société civile, la CENI doit tenir compte de nos injections. Et c'est pour la première fois dans ces pays que l'opposition critique et propose. Donc nous disons, le calendrier est là, mais on a voulu les falsifier, on a voulu les surcharger, parce que tout simplement, les amis du pouvoir n'ont pas encore abandonné les stratégies du glissement. Mais ils sont bloqués par les calendriers parce qu'en ce qui concerne le président de la République, il est clair que le 20 décembre 2016, il y aura un nouveau président qui va prêter serment. Et le sortant, c'est lui qui est là. Il termine son mandat le 19 décembre 2016. C'est une très bonne chose. On ne gagne pas tous les mêmes jours. Le combat continue et nous demandons que le peuple reste vigilant. Dernière question. Oui. Vos propositions au calendrier qui sera acceptable, c'est quand?
Nous avons déjà dit aujourd'hui qu'il faut qu'on puisse revoir les fichiers électoraux pour qu'on nous donne une carte d'électeurs différente de la présente qui est déjà trafiquée. Nous avons dit qu'il n'est pas normal que l'on publie un calendrier qui viole la Constitution en ce qui concerne les droits de tous les majeurs congolais qui ont eu au moins 18 ans de voter. C'est pourquoi nous avons dit que depuis le juillet 2011 jusqu'à ce jour, il y a des Congolais qui ont atteint 18 ans. Est-ce qu'on va écarter tous ces Congolais du processus électoral? Nous disons non. C'est pourquoi il faut l'enrôlement. Il faut la révision du fichier électoral, parce que celui qui est là, il est déjà corrompu, il est vicié, il est porteur d'un cancer, qui va se métastaser bientôt. Voilà. Disons d'abord que ce calendrier est le fruit du sang versé par le peuple congolais et de son courage. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas été publié en l'état sans que le Congolais n'ait pu faire les sacrifices qu'il a consentis. Ceci étant dit, nous disons que ce calendrier... La première des choses qu'il contient, c'est le fait qu'il est conforme aux dispositions constitutionnelles, notamment en ce qui concerne l'élection du président de la République, qui doit se tenir dans le délai, et le président de la République est appelé, le président de la République est appelé à laisser son mandat. En tant qu'opposition responsable, la semaine prochaine, nous allons faire toutes les propositions responsables à proposer pour qu'il n'y ait pas de glissement, pour qu'il y ait un calendrier consensuel et pour qu'il y ait un calendrier réaliste. Ne vous en faites pas, nous avons déjà commencé à travailler et le peuple et vous-même, tout le monde sera content et la communauté internationale de voir un calendrier réaliste proposé par l'opposition. Cette déclaration la parole de c'est la déclaration de l'opposition parce que vous avez vu, et vous-même vous avez les textes lus par Mme Eve Bazaïba, secrétaire générale du MLC. Vous vous souviendrez que la fois passée, c'est moi-même qui avais lu la déclaration. Et nous avons une certaine discipline. Nous sommes obligés de dire ce qui se trouve dans les textes. Et c'est ce que nous avons fait. Donc ce qui se retrouvait dans les textes, c'est ce que nous avons fait. Donc nous ne faisons qu'interpréter ce que Mme Eve Bazaïba a dit. Pas consensuel, qui est irréaliste et qui peut nous amener au glissement. La réaction, c'est la réaction que Mme Bazaïba vient de lire au nom de tout le monde. Moi, je crois que j'ai l'impression, à travers ce calendrier, on sait vite sentir que Kabila n'a pas la volonté de quitter le pouvoir. Et je pense que, et au lieu que le peuple, je peux donner un exemple, c'est comme si, à la place de l'eau, il donne du poison au peuple congolais. Le peuple veut un calendrier réaliste. Ce calendrier n'est pas réaliste. Ce calendrier, c'est un calendrier anticonstitutionnel. Ce calendrier, c'est un calendrier escroc. On veut escroquer la volonté de l'ensemble de notre peuple. Moi, je pense que nous allons jouer pleinement notre rôle en tant qu'acteur politique, éducateur de la nation et du peuple, à conscientiser le peuple d'accompagner M. Kabila et son groupe vers la porte de sortie. Et je pense que c'est comme ça que nous allons obtenir la démocratie dans ce pays. Parce qu'on n'a jamais vu un président sortant qui, au lieu de faire des choses pour être applaudi par tout le monde, il fait des choses pour être résisté. Et je crois qu'un peuple conscient de son destin est plus puissant qu'une bombe atomique et Kabila vivra. C'est un gouvernement où c'était pas inutile de faire des propositions. On fait la proposition à des gens responsables. Ça, ce sont des affairistes qui ne veulent pas partir. Moi, je pense que la proposition, s'ils gouvernaient l'État, ils auraient déjà compris ce que le peuple veut. Le peuple veut quelque chose de réaliste, de constitutionnel, de responsable. Quelque chose qui va mener les gens dans la paix, dans la volonté de sortir et la volonté d'entrer. Autant Kabila veut sortir, autant nous voulons entrer. Et qu'est-ce que vous reprochez dans cette calendrier? Vous savez, je crois que Mme Bazaïba vous a donné les détails de ce que nous reprochons. C'est un calendrier anticonstitutionnel. C'est un calendrier qui ne reflète pas la volonté de l'ensemble de notre peuple. C'est un calendrier bourré de pièges pour désorienter la volonté de l'ensemble de notre peuple. Voilà ce que nous lui reprochons. C'est un calendrier qui reflète la volonté de M. Kabila de rester éternellement au pouvoir, contrairement à la volonté de l'ensemble de notre peuple.
Voilà. Mais l'élection est que, qu'est-ce que je dis, la réaction, c'est une réaction des joies mitigées. Des joies parce que Kabila ne va plus rempiler. Des joies parce que Kabila, le 19 décembre, il dépose. Des joies parce que le peuple n'en veut plus du pouvoir de Kabila. Ça, c'est acquis. Et on ne doit pas se priver de se réjouir. On ne doit pas bouder notre plaisir. Nous devons nous réjouir. Nous devons être contents parce que la lutte qu'a menée le peuple congolais, cette lutte est en train de payer. Donc le 19 décembre, c'est fini pour Kabila. Mais il y a quand même des points qui ne nous achantent pas, qui ne nous plaisent pas, qui troublent quand même la conscience des patriotes que nous sommes. Vous voyez par exemple les jeunes qui sont à l'âge de voter, les jeunes qui ont 18 ans, aujourd'hui ne vont pas voter, ils ne seront pas des électeurs. Non, je parle, nous parlons de ces jeunes parce que l'élection, ça va bientôt se passer. On peut inscrire ces jeunes dans un fichier électoral. Ce n'est pas impossible. Pourquoi l'ONIP? Parce que cette opération peut être faite par la CENI. La CENI peut bien ouvrir les fichiers électoraux pour permettre à ces jeunes-là de 18 ans de voter. Parce que c'est constitutionnel, c'est leur droit constitutionnel. On ne peut pas le priver de ces droits-là. Donc, nous disons que on doit... Je ne vous interromps pas. Le Sénat veut faire quand même une campagne au mois de janvier, si je ne me trompe pas, pour la sensibilisation. Ceux qui ont perdu le carte ou sur l'année sont enregistrés. Et les enfants-là, à l'étant d'âge, tu ne pouvais pas... À ce que je sache, il ne faut pas confondre les deux opérations. Cette opération n'avait rien à voir avec l'inscription, l'enrôlement. Donc, nous demandons qu'on ouvre le fichier électoral, que ces jeunes-là puissent s'inscrire. C'est leur droit. Tandis que ça n'a jamais été fait et ça, la CENI pouvait bien le faire. Et puis, il y a une crainte parce qu'il risque d'y avoir un chevauchement de ces élections et qui peut repousser l'élection du président Kabila, du nouveau président. Alors, ceux qui n'ont pas obtenu au niveau du changement de la Constitution, au niveau du changement de la loi électorale, ils risquent d'obtenir ça. Parce qu'on peut repousser les élections et là, M. Kabila peut continuer. Et son mandat peut continuer, un mandat gratuit. Et ça, aucun Congolais, en tout cas la majorité des Congolais, ne veut pas de cela. C'est pour ça. Il y a aussi. Oui, oui, l'élection, le budget est. Et c'est une élection budgétivore. C'est exorbitant, ces budgets-là. Et c'est toujours dans le souci de repousser les élections. C'est toujours dans le souci de repousser les élections. Et pour cela, il faut chercher des subterfuges, des astuces et des raisons pour dire qu'on ne sera pas capable d'organiser les élections par manque de moyens. Et c'est pour ça qu'ils ont surévalué l'organisation des élections. Nous disons qu'on doit tenir compte de ces élections. On doit faire un budget réaliste, un budget adapté à la situation, un budget conforme. Mais nous avons l'impression que ce budget n'est pas conforme, ce budget n'est pas adapté, ce budget est irréaliste, ce budget est exorbitant. Et juste pour repousser le mandat de M. Kabila, nous allons demander à une commission technique pour essayer de s'apesantir là-dessus et nous donner les vrais chiffres. Et nous demandons aux amis de l'extérieur, à la communauté internationale, de ne pas se décourager parce que la communauté internationale a donné son quitis pour organiser ces élections. Et ils nous ont donné leur parole d'honneur qu'ils vont nous aider à organiser les élections. Et nous sommes confiants qu'ils vont donner, même si le gouvernement ne donne pas. Je crois qu'il y a de bonnes volontés et qui vont nous permettre d'organiser ces élections dans les délais. Et vous, quand vous êtes en train de mettre la pression, vous n'avez pas rendu compte de tout ça? On s'est rendu compte. C'est pour ça que nous avons essayé de dénoncer les voleurs avant que dénoncer les sorciers avant qu'ils opèrent. Nous avons dit, madame, nous avons dit dès le départ qu'il faut qu'il y ait un budget réaliste. Nous avons demandé un budget réaliste. Nous avons demandé un calendrier réaliste. Nous avons demandé un calendrier consensuel. Mais le pouvoir ne voulait pas de tout ça. Et d'ailleurs, si aujourd'hui nous avons ces calendriers, c'est par la volonté de la population, c'est par la pression de l'opposition, de la communauté internationale. Donc, nous savions tout ça, mais ce sont des amis qui sont habitués à tricher. Les gens qui sont habitués à tricher, ils ne peuvent que tricher. Qui habille boira? Donc, pour nous, nous sommes de bon sens, nous sommes des démocrates, nous sommes des nationalistes, mais de l'autre côté, ce sont des gens qui ne pensent qu'à leurs intérêts et ils ne tiennent pas aux intérêts du peuple. Merci. Et voilà, donc, amis internautes.
Minasuka, les déclarations pour Yokoe va être l'opposition, ainsi que l'organisation société civile, la diaspora, en rapport avec la publication par la CENI, il y a calendrier global électoral, Nde Basali Bongo, déclaration. Merci d'avoir suivi ce beau à la fin. Merci Nadola, à Dimbaro, pour faire ces images. Merci.